Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Minecraft. Et donc aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui on ne va pas faire de survie ni quoi que ce soit. Aujourd'hui on va voir quelques idées de mise à jour Minecraft. Allez, c'est parti. Ok, donc on commence en douceur avec un temple de la forêt. Voilà, donc vous voyez, il est assez similaire au temple de la jungle. Donc c'est un temple en ruine finalement. Et donc en son sous-sol, il y aurait une cave avec un spawner à araignées et un tonneau. Et dedans, on pourrait avoir par exemple des morceaux d'armure, des montres ou des boussoles, des minerais précieux, de la poudre de pierre lumineuse, de la poudre d'os. Et voilà, donc etc. Donc ça pourrait être assez intéressant finalement, même si bon, c'est peut-être l'ajout le plus mineur que je présente dans cette vidéo. Hein, voilà. Ça pourrait être, là j'ai construit dans un biome taïga, hein, mais faites pas attention à la balise, hein. C'était juste pour retrouver. Mais donc ça pourrait être dans n'importe quel biome forêt, peut-être, pourquoi pas. Ouais, donc ça rajouterait un peu de diversité aux forêts qu'on connaît déjà et qui sont uniquement faites d'arbres. Donc bah pourquoi pas, donc, vous voyez, il y aurait beaucoup de toiles d'araignées par exemple, puisqu'il y a des araignées au sous-sol, hein, je le rappelle. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de chaque idée, hein, voilà. Donc c'est moi qui ai eu les idées, hein. Je me suis peut-être inspiré un peu pour de certaines choses que j'avais vues sur internet pour certaines idées, mais bon, voilà. Et donc on passe à Et la donc la seconde seconde idée. idée, C'est quelque chose d'un peu plus probable puisque ça concernerait la cave update qui sera, je le rappelle, la 1.17, et donc c'est quelques modèles de cavernes. Donc vous voyez ici, on a une grotte. Une caverne donc de feu, de lave un peu, donc un peu du nether finalement. Même si voilà, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas de netherrack par exemple. Donc vous voyez, on peut voir de la pierre noire et du basalte et du magma aussi, voilà, des coulées de lave avec un lac de lave. Et il pourrait y avoir par exemple des minerais de diamants pour qui seraient quand même assez difficiles à obtenir, puisque là il y a des blocs de magma, là il y a de la lave, donc il faudrait les enlever et tout. Donc oui, ce serait pas évident. Donc pourquoi pas. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Alors on va prendre une potion de vision nocturne. Ok, donc vous voyez ça, ça serait une caverne marine finalement, sous-marine. Vous voyez, on voit des coraux, des concombres de mer, des poissons. Donc ça pourrait être dans ces grottes-là qu'il y aurait les poulpes luisants, ça c'est officiel qu'ils vont être là. Vous voyez que de la prismarine, des blocs de corail, des minerais hein, tout de même, hein, du sable. Et voilà, bah, pourquoi pas après tout hein, quand même. Ensuite, on passe à une caverne de glace. Donc vous voyez avec des stalactites en verre cette fois. Hein. Des stalactites aussi, c'est sûr qu'il va y avoir, mais pourquoi pas des stalactites de glace. Ça pourrait être assez stylé. Voilà, donc j'avais très peu de blocs hein, pour cette caverne, j'avais que la glace bleue, la glace compacte que j'ai pas utilisée, et la neige. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure, hein, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et donc on continue ici avec une grotte entièrement en granit. Voilà, ça fait assez stylé en vrai hein, quand même. C'est assez stylé, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est parce que. Pour le moment, le granit, on en a uniquement en filon. Et donc, sur le même thème, une grotte de gravier et d'andésite. Ouais, donc, après tout, bah, pourquoi pas, hein. Ce sont quand même des roches assez. Qu'on voit assez souvent dans Minecraft, hein, finalement. Et donc, on finit, il me semble, avec une grotte de désert et de mesa. Donc, de Badlands, comme vous préférez. Vous voyez avec des cactus en souterrain, donc voilà, bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et avec bah, du gravier, du sable rouge, du gravier, pas du tout, du grès rouge. Voilà. Donc je crois que c'était le dernier. Oui, c'est bien le dernier. Bon, bah alors du coup, on passe à la troisième idée. Et donc maintenant, on va voir quelques idées pour la jungle. Parce que la jungle, c'est quand même, ça se résume quand même à des grands arbres, une seule sorte d'arbre, hein, des oslots,
des pandas, du bambou, des perroquets, des temples de la jungle, assez rares quand même, et c'est tout. Donc bah, pourquoi pas quand même, quand on pense à la jungle, on pense forcément à la diversité animalière de la faune et de la flore, hein. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Donc pourquoi pas, par exemple, des singes, hein, c'est quand même les premiers animaux auxquels on pense dans la jungle, hein. Vous voyez, il pourrait aussi. Donc voilà, des idées de mob, hein, ça. Il pourrait aussi y avoir plus de fleurs, hein, au sol. Voilà. Donc encore une fois, ne faites pas attention à mes. J'avais fait une clairière de fleurs, où est-ce que je l'ai mise? Bon, c'est pas très grave, hein, pire. Mais bon, bah voilà, quoi. Il pourrait y avoir aussi, bah, vous voyez, une passerelle là entre les arbres, pourquoi pas, qui pourrait être une passerelle où les singes passeraient. Après tout, c'est une idée comme une autre, hein. Voilà, donc je vous montre un peu mieux. Voilà. Et pourquoi pas surtout des villages de la jungle qui seraient donc dans les arbres. Donc regardez, là on est au sol et on monte comme ça au village dans chacune des maisons. Donc bah franchement, ça donne une super vue. Ah, là il manque un bloc. Voilà. Donc bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Où est le problème? Pourquoi pas? Un village dans les bois, dans la jungle, pardon. Avec dans les arbres, hein, tout simplement. Vraiment. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Donc bah voilà, il pourrait y avoir pas mal de changements, hein, dans la jungle, hein, quand même. Peut-être une refonte du temple de la jungle, même si pour moi c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, de nouveaux mobs, surtout de plus de fleurs là. Ah voilà, là vous voyez. Là j'ai mis quelques fleurs pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Hein. Donc là j'avais que des fleurs, j'ai mis que des fleurs jaunes, donc bon. Mais avec des fleurs de plein de couleurs différentes. Ah vous voyez, là il y a un panda. Voilà. Bon. Donc bah j'ai envie de dire, il faudrait d'autres arbres aussi, peut-être. Parce qu'une seule sorte d'arbre dans la jungle, quand même, on pourrait faire un peu mieux, quoi. Voilà. Donc bah sur ce, on part pour une idée de nouveau biome. Et donc nouveau biome qui est l'océan. Non, je rigole, hein, bien entendu. Nouveau biome qui serait donc une plage avec des palmiers, du sable, voilà, comme ça, vous voyez, là, qui fait un peu un escalier, un peu comme une vraie plage, finalement. Enfin, il faudrait une pente, normalement. Et donc voilà, des noix de coco, donc, voilà, là j'ai mis des noix d'acajou, mais bon. Enfin, je sais plus. Bon, bref, des crabes, hein, aussi, des crabes, bien entendu. Voilà, donc des palmiers. Voilà. Donc là, je les ai faits avec des arbres tropicaux. Mais ça rend assez bien, finalement. Donc, s'ils faisaient de véritables palmiers, ça ferait vraiment hyper bien. Donc, bah, pourquoi pas, hein. Je me dis, c'est une assez bonne idée, finalement. C'est une idée qui pourrait diversifier un peu les plages, parce que jusqu'à là, les plages, ça se résume à trois blocs d'herbe. D'herbe, pas du tout. Trois blocs de sable et c'est tout. Donc c'est assez décevant. Alors il faudrait que les palmiers puissent apparaître aussi directement sur ça, parce que là vous voyez, bah, j'ai dû utiliser des blocs de terre. Hein. Mais bon bah voilà, donc je fais avec ce que je peux. Hein. Si je rajoute des blocs, ça pourrait être beaucoup mieux, hein, évidemment. Je fais avec les blocs que j'ai, hein, jusque-là. Enfin, de partout, hein. Je n'ai pas inventé de nouveaux blocs. Mais bon, voilà, donc une plage tropicale. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je pense que ça pourrait être pas mal de se retrouver là, devant le coucher de soleil carré. Oui, bon, c'est vrai que. Voilà. Donc maintenant, des ajouts pour le biome méga taïga. Donc c'est ce biome qui ressemble à la taïga, mais avec des très grands arbres. Ok, donc déjà. Des arbres tombés au sol, donc avec des troncs et un peu mince, je sais plus comment, écorcés, voilà, donc qui pourraient avoir été écorcés, et voilà, même des arbres entiers, hein, par des castors. Donc en parlant de castors, bah, un barrage, hein, évidemment, voilà. Donc là, l'eau passe toujours, hein, mais il pourrait y avoir un côté qui ne passe plus, où l'eau ne passe plus, voilà. Donc là, vous voyez, un grand barrage, fait de manière assez aléatoire, hein, vous voyez que c'est pas tout rectangulaire, tout carré, tout bien, voilà. Donc c'est assez comme ça, donc ça pourrait être intéressant, voilà. Donc j'ai envie de dire, bah,
C'est une idée. Hein. Ok, et ensuite, ah, voilà, ça pourrait être, ça peut être considéré un peu comme un temple de la taïga. Donc vous voyez, là, il y aurait des buissons de baies qui nous empêcheraient de circuler normalement. Et donc là, il y aurait un endroit avec un générateur de monstres et un coffre. Voilà, donc ça pourrait être un nouveau monstre. Hein. J'ai pas trouvé de monstre qui pourrait très bien aller. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, un nouveau monstre, une nouvelle créature, hein, juste tout simplement de nouvelles créatures. C'est vrai que le biome méga taïga, il y a pratiquement rien, quoi. Il y a des loups, il y a peut-être des renards, je sais pas, je n'ai jamais testé en survie. Là, j'ai désactivé les apparitions de créatures. Donc voilà, je vous montre ce que ça donnerait de l'extérieur. Hein. Mais voilà. C'est vrai que c'est un biome où il se passe pas forcément grand-chose, où il y a aucune spécialité intéressante. Donc bah voilà. Et donc cette fois, on voit un changement assez mineur, un méga champignon. Donc voilà, donc vous voyez son tronc est très large, il est très grand, et voilà, donc à l'intérieur il pourrait même y avoir des champignons qui poussent. Ça pourrait être aussi une idée de caverne hein, finalement. Voilà, donc pourquoi pas. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'ouvre, ça enlève des champignons. Mais bon, voilà, donc c'est une idée assez basique hein, finalement, mais pourquoi pas. Voilà. Et donc maintenant, on va voir une refonte du biome savane. Voilà, donc vous voyez, il pourrait y avoir, là j'ai utilisé de la terre, des chemins de terre et du blé, hein, mais il pourrait y avoir des herbes hautes jaunes avec de l'air, des blocs d'herbes jaunes. Voilà, donc ça fait un peu savane hein, quand même, parce que jusqu'à maintenant on n'a que des verts. Il pourrait aussi y avoir des endroits avec énormément d'herbes hautes, hein, voilà, un peu comme ça, vous voyez. Ensuite, il pourrait aussi y avoir des baobabs, hein, pourquoi pas, là, jusque-là on n'a que des acacias. De nouvelles rivières aussi assez larges, où il pourrait y avoir par exemple des crocodiles. Voilà, et donc beaucoup de nouveaux animaux, hein, j'imagine aussi. C'est quand même un peu le principe de la savane normale. Et là, on a aucun. Enfin, là, les créatures sont désactivées, mais tout de même. Ensuite, une mise à jour peut-être du désert, avec, par exemple, du désert, par contre, non. Avec par exemple des cactus plus grands, une petite refonte du temple du désert. Hein. Voilà, on va voir un peu plus en détail. Là, vous voyez déjà là. Et puis, une fois qu'on entre là-dedans. J'espère que je ne suis pas tombé sur. Si, j'ai touché la plaque de pression. Oula. Bon, bah. Je ne sauvegarderai pas en quittant. Mais voilà, donc. Avec aussi des nouveaux mobs, hein, peut-être. Comme, je sais pas moi, des suricates, des dromadaires. D'autres choses. Donc, bah. Pourquoi pas. C'est une idée, après tout. C'est vrai que. Le désert, c'est quand même assez vide. Hein. C'est normal, c'est un désert, mais bon, quand même. De nouveaux animaux, ce serait pas de trop. Et donc, on passe à la dernière idée, les îles volantes. Voilà, donc ça c'est. Donc, une sky update, ça pourrait être assez intéressant finalement. C'est une partie qui est dans l'univers de Minecraft depuis toujours et qui n'a jamais été exploitée. On a, jusque-là, on a des nuages rectangulaires, une carrée et un soleil carré, c'est tout. Moi, je pense qu'il serait bien, ce serait des îles flottantes, comme ça, vous voyez. Donc là, par exemple, là, je les ai fait avec des herbes carmin, non, pas du tout, des herbes, comment ça s'appelle déjà? Non. Donc des herbes, ah, j'ai plus le nom, pousse d'une heure, tout simplement, ok. Voilà, et un arbre, mais bon, il pourrait aussi y avoir des îles avec des villages, des îles avec un arc-en-ciel qui atterrit. Des îles nuages hein, même. Voilà, donc là, une petite refonte du nuage hein, d'ailleurs aussi. C'est vrai que le nuage est assez peu réaliste hein, jusqu'à maintenant. Mon sujet n'est pas particulièrement beau non plus, mais voilà. Donc je pense qu'il pourrait faire vraiment un gros truc hein, pour une sky update. Donc, vous voyez là, le problème c'est que si on tombe, et ben on meurt.
Voilà, donc là encore je l'ai pas fait particulièrement haut. On pourrait faire peut-être que les nuages soient plus hauts, ou alors que même ce soit une dimension totalement à part, les îles volantes, même si ça pour le coup ça ferait ressembler peut-être un peu trop à l'Ender, ou alors peut-être qu'on les verrait depuis le bas, mais qu'on pourrait les atteindre qu'en passant dans une autre dimension. Avec par exemple un propulseur dissimulé dans une grotte ou je ne sais quoi, qui nous enverrait dans le ciel. Et voilà, donc il pourrait aussi y avoir des îles géantes avec des temples dedans, etc. Et aussi de nombreux oiseaux, hein, bien entendu, des aigles, des oies, des. Voilà, donc les possibilités sont infinies. Il pourrait y avoir vraiment des trucs incroyables. Donc pourquoi pas. Et donc voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao.